que toute gloire revienne à notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a bénis. Alléluia, quel beau jour, quelle grâce, quelle merveille. C'est lui qui est assis sur son trône de gloire, t'aime. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi et pour moi, nous délivre et nous guérit de toute maladie. La Bible déclare que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et rien ne pourra nous nuire. Que le Seigneur soit glorifié, que notre Dieu soit élevé pour son amour, pour sa bonté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour que nous puissions monter ensemble dans la prière, adorant Dieu, louant l'Éternel pour ses hauts faits, pour ses bienfaits? Prions encore une fois pour bénir la parole que nous allons écouter, cette parole qui est la sémence dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos esprits, alléluia, pour transformer l'incrédulité en foi, pour bannir, alléluia, tout le souci en confiance, alléluia. Lilobana bomo oyo tosali koyoka sasipi ezali pona ko bukali bangana eke na motema ekenze po ete kwa ko pesa biso kondima ya simbisi epana nzambe na bomo oyo. Pe ezali wana pona kolongola mabanzo oyo ezali kolia biso motema po ete ememela biso elikia. La parole de Dieu sauve, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu donne la vie et la victoire. Quiconque en fait confiance, alléluia, en mange le fruit. Moto nyonso a côté la lilo bananzambe motema akoli ambuma na yango. Voilà pourquoi ces moments que tu sois visité par le Saint-Esprit là où tu es, visité par la puissance de Dieu, visité par la droite de Dieu vivant. Alléluia. Élevons tous nos voix, prions tous au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Nous venons t'élever, te louer, te rendre des actions de grâce. Ton amour est grand, ton amour, alléluia, n'a point changé. Ton amour délivre, ton amour guérit, ton amour sauve, ton amour, alléluia, donne la paix du cœur. Alléluia, cette paix que le monde ne peut pas donner, ni mon oncle, ni ma tante, ni mes amis, sauf toi et seul toi, Jésus-Christ peut la donner. Merci grand roi, merci esprit de vie, merci esprit de paix, merci esprit de joie, merci esprit de miracle, toi qui délivres mon âme, toi qui restaures mes pensées. Toi qui restaure mon cœur, toi qui me donne la vie, alléluia, que j'avais pas hier, que j'avais pas, alléluia, dans le monde. Seigneur, merci pour tes saints anges, ceux-là, Seigneur, qui ont gardé la sainteté avec toi. Louange à toi, Seigneur, parce que tu dresses encore une table devant moi, en face de mes adversaires. Cette table, alléluia, où ta parole, alléluia, est installée, où ta parole est préparée pour faire, alléluia, de grands miracles dans mon âme, de grands miracles dans ma pensée. Je te loue, Père éternel, pour quiconque, alléluia, qui est autour de cette table pour manger de ta parole. Ta parole donne la vie, ta parole donne la paix, ta parole donne l'espoir, ta parole donne la santé, ta parole, alléluia, a appelé Lazare de sortir du tombeau, et Lazare est sorti du tombeau par ta parole. Alléluia. Comme Pierre l'avait dit ce jour-là lors de la pêche miraculeuse. Oh Seigneur, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais par ta parole. Oui Seigneur, ta parole est sur la table pour moi. Ta parole est sur la table de ma vie. Ta parole est sur la table de ma santé. Ta parole est sur la table de mes finances. Ta parole est sur la table de mon du ministère que tu m'as donné. Ta parole est sur la table de mon travail. Ta parole est sur la table de ma vie sociale, de la vie de ma famille, la vie de mes enfants. Ta parole, c'est par ta parole, Seigneur, que tout a été créé. Car la parole, la Bible déclare, au commencement était ta parole, la parole c'était toi-même, et la parole c'est Dieu. Béni soit ton nom, grand roi, parce que la parole de Dieu me donne la vie, me donne la santé, me donne la victoire, me procure la grâce. Béni soit ton nom. Alléluia. Ta parole dit que 10 000 tombent d'un côté, 1 000 de l'autre, je ne serai point atteint. Au
nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Par cette parole, je proclame ma victoire. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma santé. Je proclame que les portes sont ouvertes en ma faveur. Tout esprit de mort, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de blocage, toute forme de maladie, dans le puissant nom de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu, je t'ordonne de libérer ma maison, de libérer mes enfants, de libérer ma famille et d'aller au bas de la croix de Golgotha. Père de gloire, Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre, je te loue pour ton esprit de vie, je te loue pour l'accomplissement de ta parole. Oui, ta parole qui dit, alléluia, même si le ténèbre couvre toute la terre, mets sur moi ta lumière, ta lumière, ta lumière m'éclaire. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que j'ai ma lumière qui est éclairée. Ma vie est éclairée. Mes enfants sont éclairés. Le ténèbre ne régnera plus jamais dans ma vie, ni dans ma famille, ni dans ma belle famille, ni dans mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, l'Église de Dieu est éclairée par la puissance de la parole, par la présence du Saint-Esprit, le force du mal, le force des ténèbres, les esprits méchants, qui amène les déviations, qui amène les fausses doctrines, qui amène le péché, qui amène les aventures. Dans le nom de Jésus-Christ, ce démon est écrasé, son pouvoir est paralysé, son esprit est chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci parce que la pluie de la grâce, l'onction de la rédemption, alléluia, et pas quoi m'y alisiko, yangon de Pakoli Lingomba, Yangonde Pakoli Bamama, alléluia, l'onction de l'adoption en Jésus-Christ, l'onction de la justification, alléluia, qui prépare nos cœurs au retour glorieux de notre roi Jésus-Christ, le roi de gloire. Béni soit ton nom. Merci grand roi, merci Elohim, merci El Shaddai, merci le lion de la tribu de Juda, merci le Dieu sans fin, merci le Dieu de paix, merci le Dieu de gloire, merci le Dieu de victoire. Oh, en ces moments, quiconque est connecté, qu'il soit touché par la puissance de Dieu. Quiconque est connecté soit délivré au nom de Jésus-Christ. Quiconque est connecté, que la voile de l'ignorance puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Quiconque qui est connecté, Seigneur, qu'il voit ses portes s'ouvrir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Père, merci, parce que nous ne tournons plus autour de cette montagne. Nous progressons, alléluia, et nous allons vers notre bénédiction. Louange à toi, Seigneur, pour les âmes touchées, pour le cœur converti. Merci, Prince de la paix, pour ceux-là qui étaient affaiblis dans la foi, que tu restaures leur vie, que tu restaures leur cœur, alléluia, à te servir, à marcher avec toi. Notre Dieu soit magnifié, notre Dieu soit glorifié, tu es digne d'adoration. Mais bien-aimé, j'aime la prière, j'aime la parole de Dieu, j'aime la sanctification, j'aime ceux-là qui élèvent les yeux, alléluia, pour regarder celui qui est prêt. C'est lui qui est là, c'est lui qui vit d'éternité en éternité. Voilà pourquoi je t'invite à prier avec moi. Alléluia. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas le progrès. Alléluia. Il est celui qui bénit. Il est celui qui garantit la vie. Il est celui qui ouvre les portes. Oui, bien-aimés frères. Oh, alléluia. Rendez-lui gloire. Remerciez-le Seigneur, priez pour ta vie, priez pour ta vie. Les forces des ténèbres tombent, les esprits malins tombent, les puissances occultes tombent, les puissances de sorcellerie tombent, l'esprit des magies tombent, les forces du mal tombent, toute pensée diabolique contre ta vie tombe. Tu perces, tu vas de l'avant, tu prospères le matin, à midi, le soir, au nom de Jésus-Christ.
tu prospères le matin, à midi, le soir, au nom de Jésus-Christ. Oui, hallelujah, c'est ton temps, hallelujah, c'est temps, c'est le temps que tu sors de tout le problème, que tu sors de l'incrédulité, que tu sors du manque de la vérité, que tu sors de tous les plans de l'ennemi qui bloquaient et qui liaient ta vie. Tu sors, hallelujah, commence une nouvelle vie, commence une nouvelle vie, au nom de Jésus-Christ, une vie de paix, une vie de joie, une vie de sanctification, une vie attachée à Christ. Alléluia. Que ton travail te rapporte. Moussala na yo, ezalali pamboli ponayo. Que ton travail te rapporte. Que tes enfants soient sous l'onction et sous la bénédiction du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons notre Dieu, nous t'exaltons la manne cachée, nous t'exaltons le lion de la tribu de Juda. Que ces moments soient bénis. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, merci pour ton action, merci pour tes œuvres. Matondo poete ozaliwana, matondo pona lobo konayo, matondo pona misala na kokamwa, matondo pona bikamwa, matondo pona elonga. Nous élevons ton Saint-Nom. Merci Père, que ta parole soit bénie. Seigneur, ouvre les oreilles de chacun de nous pour que nous puissions recevoir de toi la semence incorruptible. Béni soit ton nom, béni soit le nom du grand roi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Maranatha. Oui, mes bien-aimés, nous avons déjà commencé à enseigner sur la prière. Rappelez-vous, la première partie, nous avons parlé sur des éléments qui font que la prière ne puisse pas être exaucée. Parce que c'est bien d'aimer la prière. Mais la prière, mes bien-aimés, ce n'est pas de la blague. La prière, c'est parler avec Dieu, converser avec Dieu, dialoguer avec le Seigneur. Mes bien-aimés, la Bible déclare, l'Éternel est celui qui écoute la prière. C'est dans le livre de Psaumes, chapitre 63. Il est celui qui écoute la prière. Voici pourquoi tout le monde vient à lui. Yahweh Nzambe Azali Oyo, Ye Oyo Ayokaka Mabondeli, Yangona Bato Nyonso Bayaka Epainaye. Donc, comme Dieu écoute la prière, c'est la raison pour laquelle nous nous approchons de lui avec nos besoins, avec tout ce dont nous cherchons. Donc Dieu, il est la source de notre bénédiction. Mais c'est toujours important de connaître la notion Dieu, la notion Yahvé. Mes bien-aimés, alléluia, voilà pourquoi nous avons déjà commencé à se poser la question. Toi, tu veux aller peut-être en France, mais tu sais que tu n'as pas de documents. Alors, tu vas déjà te poser des questions, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je me déplace pour y aller? Aller en France, c'est bon, qu'aucun de la France, problème est à. Mais, Nazana Mukandate, qu'est-ce que je dois faire? Mes bien-aimés, c'est ça. Tu veux prier, c'est bon, mais tu ne réunis pas des conditions pour faire la prière. Tu vois maintenant là où se trouve le problème. Voilà pourquoi nous avons déjà commencé à évoquer ces problèmes qui peuvent faire que la prière ne soit pas prière. Tobanda qui déjà colobé la makambo biloko yosalaki libondeli ezala libondelite ezala eloko pamba. Dieu n'a pas écouté. Voilà pourquoi nous avons déjà commencé à épingler le premier point en disant que, donc tu peux même reprendre tout cet enseignement, donc en disant que David dit, si j'avais conçu l'iniquité, l'Éternel n'aurait pas m'écouté. Soki na moté maranga na mesa na ki kokanisa makambo mabe. Si j'avais conçu l'iniquité, l'Éternel n'aurait pas écouté ma prière. Donc, ceux-là qui sont habitués, disant qu'ils prient, bien-aimés frères et sœurs, c'est un passe-temps. Voilà le point numéro un, nous avons déjà cité ça. Le deuxième point, nous avons parlé de ceux-là qui, pendant qu'ils prient, il n'écoute pas les conseils des sages.
Mais bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, je veux seulement que Dieu me parle. » Mais vous savez, Dieu, s'il veut te parler, il peut utiliser plusieurs canaux pour te parler. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 28, oui, le verset 9, hein, si je me trompe pas. Donc, la Bible dit que ceux qui détournent l'oreille pour ne pas écouter la voix de la sagesse, leur prière est une abomination. Donc, le sambo na mutu, et koki koko ma mbindo na miso na nzambe, kakapo yoki tolite. Donc, il faut savoir écouter Dieu, surtout quand on te donne des conseils sur des choses qui ne correspondent pas vraiment à des choses que toi tu aimes. Bah, vous pensez à toi, tu as déjà tes images que tu as dessinées et tu veux que Dieu obéisse à ton plan. Alors, quand quelqu'un vient maintenant avec une révélation, une parole qui est en contradiction de ce que toi tu penses, directement tu jettes le conseil. Hein, tu murmures, oh non, moi-même je vais prier, Dieu va me parler. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'une telle personne, sa prière est une abomination. Alléluia. Donc, écoutez la parole de Dieu. La Bible déclare, ne vous fiez pas seulement à l'écouter, mais mettez-le en pratique. La pratique de la parole de Dieu te bénira. Et là, nous avons parlé du troisième point. Ceux-là qui sont là, ils sont très forts. Yozawana oponakapo nakabatu. Hein? Tu parles avec X, tu peux aider X, tu peux vivre avec X. X, tu ne peux pas être avec lui parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'il ne s'habille pas comme toi, parce qu'il n'a pas une voiture comme toi, parce qu'il n'est pas de ta classe. La Bible déclare, ceux-là qui n'ouvrent pas les oreilles pour écouter les cris des pauvres, leurs prières ne seront pas exaucées. Bah, oyo, bah, mesana kokangela babola matoy. Le sambo na bango et yo karakati. Donc, il y a beaucoup de points qu'on pouvait citer, mais on avait cité seulement trois. Hier, vous avez écouté un autre enseignement sur le pas de la foi. Comment est-ce qu'on peut commencer à faire le pas dans la foi? Donc, on va pas reprendre ça, sinon on n'aura pas le temps de pouvoir enseigner l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, le troisième point, c'est au niveau de la prière dans le domaine spirituel. Voilà, mes bien-aimés, la prière a plusieurs étapes et tout le monde ne prie pas au même niveau de la prière. Ma bondeli ezanaba étape ndenge na ndenge. Donc voilà, il y a la prière de ceux-là qui commencent à prier. Hein? Il y a aussi la prière de ceux-là qui ont fait vraiment, qui ont suivi les étapes de la prière jusqu'à avoir la maturité quand ils sont dans la présence de Dieu. Et lokowana ezana litomba munene. Il y a beaucoup de personnes, tu crois aujourd'hui en Jésus-Christ, voilà la grâce, tu entres dans le combat spirituel, voilà la grâce, tu vas dans un jeûne de 10 jours, de 15 jours, tu sors. Mais si tu regardes très bien, tu ne connais pas vraiment toutes les étapes. Tu as embrassé quelque chose dans sa grandeur directement. Je me rappelle dans les années 80, le premier jeûne et prière que nous avons fait dans notre église, donc église, c'était en ces temps-là, Nzambe Malamu, ma campagne. Donc, je me rappelle, c'était 3 jours de jeûne et prière. Ah, j'avais plus ou moins 16 ans, si je ne me trompe pas, 15 ans et demi, 16 ans. Mais bien aimés frères et sœurs, quelque chose s'est passé ce jour-là. Je ris toujours. J'étais tout feu, toute flamme. Alors j'ai embrassé le jeûne de 3 jours directement. Je n'ai jamais perdu mon repas du matin, jamais perdu mon repas de midi, jamais perdu mon repas du soir. Directement, j'entre en jeûne de 3 jours. Mais bien aimés frères et sœurs, je me rappelle ce jour-là, j'ai encore mon frère Sébastien qui est ici à Lausanne. Il se rappelle bien de ce jour-là. Je suis tombé, mes frères. Je suis tombé, donc je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à parler. La famine m'a frappé dans une dimension incroyable. Mais j'avais tenu ferme jusqu'à faire ces jeûnes et prières. Voilà un bébé spirituel qui veut changer des choses, mais qui ne connaît pas que
toute chose s'apprend, toute chose me va d'une étape à une autre. Mais bien aimés frères et sœurs, nous devons toujours avoir la patience de connaître comment faire les choses. Nous voulons monter des voitures, mais parfois le Caracas est Toyota, nous mettons le moteur de Mitsubishi et nous mettons le carburant au lieu de mettre l'essence, nous mettons le diesel. En fin de compte, la voiture ne peut pas marcher, la voiture ne peut pas répondre à nos besoins. Ça, c'est le grand problème de beaucoup de personnes. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous voulons voir la puissance de Dieu, nous voulons voir nos prières exaucées. Mais nous ne voulons pas vraiment rester à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu nous montre comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu et décrocher quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que Dieu n'est pas compliqué, mes frères. Nzambeko azapete. Dieu, il est là pour faire du bien à son peuple. Mais papa, il est notre papa. Il est notre papa. Comment est-ce qu'il va encore nous compliquer pour que nous soyons exaucés? Nzambe, azana yena litomba te a compliqué yo po yanola yo. Non, Dieu n'est pas là pour te regarder souffrir, souffrir. Non. Connais seulement le chemin. Connais seulement pour faire fonctionner, alléluia, la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce que la prière marche? Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de quelques étapes de la prière. La prière d'un homme spirituel, la prière d'un homme qui craint Dieu, la prière d'un homme qui a besoin vraiment de l'exaucement du Seigneur, commence toujours par un cœur brisé. Motema oyo ebukani. Mes bien-aimés frères et sœurs, un cœur brisé, un cœur repentant, un cœur qui s'humilie, un cœur qui vient chercher la grâce, un cœur qui supplie, c'est ce cœur-là qui verra beaucoup de choses. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons voir déjà le premier point. Alléluia, un cœur qui s'humilie, un cœur qui est brisé, un cœur qui pleure, un cœur qui regrette. Motema oye bukani, motema oye kolela, motema oyo emoni mabe na yango, motema oyo moniete na mikiti saliboso na nzambe. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, on ne s'approche pas de Dieu comme si on va dans un concert. Okokende liboso na nzambe te lokola mutu azakokende na concert. Alléluia. La Bible déclare dans les livres de Osée chapitre 14, venez avec un cœur brisé. Boyana motema oyo e bukani. Bo buka mitema nabino. Bo mikiti saliboso na nzambe. Les prières d'aujourd'hui bafouent l'humilité. Alléluia. Tu verras les gens seulement dans les combats spirituels. Ça ne va pas marcher, bien-aimé. Je te dis, regardez tous ceux qui ont vaincu dans la parole de Dieu. Talabatu nyonso oyo balongi na vie des prières na kati na Biblia. Ils n'ont pas commencé là où toi tu as commencé. Ils n'ont pas fait ce que toi tu as fait. Mais bien-aimé, tu veux voir la gloire comme Moïse a vu la gloire? Mais marcher selon le voie de Moïse. Tu veux voir le feu descendre d'en haut sur la terre comme Élie? Hein, tu veux faire le miracle d'Élie, mais tu ne veux pas faire ce que Élie a fait. Ça ne va pas marcher. Élie a fait quelque chose avec Dieu et après Dieu fera quelque chose avec Élie. Alléluia. Maintenant, toi, tu veux faire des choses comme Élie et tu ne veux pas vivre comme Élie. Alors, ça ne va pas marcher. Mes bien-aimés frères et sœurs, voilà. Aujourd'hui, on a seulement le flashé, donc on va continuer cet enseignement demain et après-demain sur la prière, comment s'approcher de Dieu, comment briser son cœur, comment se repentir. Ne viens pas directement, bandeko, toujours tout bela, zambawana yo kalabiso mawa, hein, que nous allons confesser, que l'Éternel, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait comme ça, mais il va te pardonner, qu'est-ce que toi tu as fait? Parce que confesser veut dire la même chose. Quelqu'un qui s'humilie, il vient pour plaider une cause.
moto oyo azako mikitisa ako yali boso na nzambe po a kat asilisa likambo moko. Dis au Seigneur, j'ai péché en prenant les femmes d'autrui. L'Éternel Dieu te pardonnera. Hein? Osée 14, 2 dit, venez avec des paroles, yaka elongona maloba, liloba nini yo yelinzambe, likambwango komonango nini, comment s'appelle le problème que toi tu as apporté au Dieu. Donc, voilà le point qui est très important. Un point bénissant, nous allons élever la voix dans la prière, l'humilité, la supplication, crier à Dieu, s'agenouiller. L'église d'aujourd'hui ne s'agenouille pas. Même les positions de la prière, beaucoup de personnes ne les savent plus. Les heures de la prière, beaucoup de personnes ne les connaissent pas. Quel malheur! Le diable a volé la vérité pour que beaucoup de personnes soient dans l'ignorance et qu'ils ne soient pas exaucés. Humilie-toi, brise ton cœur. La Bible déclare, ne déchirez pas vos vêtements, mais brisez vos cœurs. Ne déchirez pas vos habits, mais brisez vos cœurs. Nous allons élever la voix dans la prière maintenant. Alléluia. Voilà, donc nous allons entrer encore dans la prière. Notez alors Ésaïe chapitre 1, verset 18, Joël chapitre 2, verset 13, Jonas, tous les chapitres. Et vous allez voir Ésaïe chapitre 1, verset 18, la Bible dit « Venez et plaidons, boya petolo banali kambo. Pourquoi cette situation est dans votre famille? Pourquoi cette affaire est en train de détruire ton foyer? Venez et plaidons. » Nzambalobi yaka mwanananga to solo la to lobalika mwango. Alléluia. Et ça c'est Dieu, notre Dieu plein d'amour, plein d'amour. Donc Joël chapitre 2 le verset 13, la Bible dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Fungola moté manayo. Notre Dieu est là pour écouter nos prières. Imaginez au temps de Jonas, ce peuple est revenu à Dieu. Ils ont prié, ils ont même amené tout ce qu'ils avaient. Et les chiens, et les chats, et le coq, Nabanyama, Oyokutubayeba, Kilikambute, tous ont jeûné. Ils ont parlé avec Dieu. Ils se sont humiliés. Ils ont brisé leur cœur. Et l'Éternel Dieu les a exaucés et a enlevé la malédiction sur eux. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, en ce moment, prends ça en considération, un élément très important, briser son cœur, humilier son cœur, dans le jeûne, dans la prière, cherche Dieu, ferme ta chambre, ferme même ton téléphone toute la journée pour parler à ton Dieu de te restaurer, parce que le téléphone, tu en auras toujours besoin pour d'autres choses, tu le feras toujours pour autre chose, mais cette fois-ci, pas de téléphone, pas de contact, toi-même avec ton Dieu dans ta chambre, cherchant Dieu, criant au Seigneur, il agira, s'humiliant, alléluia, il fera des grandes choses. Nous élevons nos voix, nous prions pour rendre grâce à Dieu. Père éternel, merci pour ta parole. La parole de la vérité, la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui guérit, la parole qui nous prépare, ô Dieu Tout-Puissant, à entrer dans ta grande présence. Seigneur Dieu, nous venons, Seigneur, nous humilier devant ton saint trône, te demander pardon, alléluia. Nous venons briser nos cœurs, nous chantons, Seigneur, des cantiques, ô grand roi, pour t'élever et pour te dire que nous ne pouvons pas nous approcher de toi, Seigneur, toi qui es saint. Saint, toi qui nous sanctifie, toi qui nous pardonne, toi qui nous purifie, écoute nos prières, Père. Aide-nous à nous humilier devant toi. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à savoir crier auprès de toi. Seigneur, que la prière ne soit pas une simple récitation, mais Seigneur, que ce soit une communion entre moi et toi, mon Dieu. Aide mon frère et ma sœur qui est troublé par les événements et il ne sait plus passer par les étapes qu'il faut pour s'approcher de toi. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous.
éclaire-nous, fais-nous connaître ton plan et ta volonté. Oh, alléluia, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Seigneur, Ninive avait prié au temps de Jonas. Seigneur, ils se sont humiliés, ils ont brisé leur cœur. Seigneur Dieu, tu les as écoutés et tu les as délivrés. Aide mon frère et ma sœur. Seigneur, qui écoute cet enseignement en ce moment, Seigneur, qu'il sache s'humilier, qu'il sache crier à toi, qu'il sache supplier, alléluia. Nekonanga moi si mubaliya yeba kogumba makobonde la komikiti salibosonayo. Car la Bible déclare, c'est lui qui s'humilie auprès de toi, tu l'élèveras au temps convenable. Béni soit ton nom, Père. Merci pour cette parole révélée. Merci pour cette parole prêcher. Merci pour cet enseignement, Seigneur, qui fait des grandes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, ton serviteur s'est humilié, ta servante s'est humiliée. Laisse que le miracle, Seigneur, puisse l'accompagner. Laisse que ta droite, Seigneur, puisse l'accompagner. N'est-ce pas que tu dis, venez et plaidons. Yakapeto solo la likambo, tokata likambo. Oh, même si le péché était rouge comme la cramoisie, deviendra plus blanc comme la neige, dit ta parole. Oh, Père, merci parce que tu sanctifies et parce que tu bénis, tu guéris, tu sauves, tu pardonnes, tu délivres cette famille qui pleure, qui crie, Seigneur, qui est troublée par des événements, par la mort, par des maladies, par des troubles. Viens, ô Éternel, étends ta droite. Viens, ô Dieu vivant, glorifie ton nom. Pardonne ton Église, pardonne ton peuple, sanctifie-nous et bénis-nous par ta grâce. Tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé. Merci, Prince de la paix. Merci parce que tu relèves quelqu'un qui s'est humilié. Merci parce que tu relèves ma sœur, mon frère qui s'est humilié. Merci parce que tu éclaires, Seigneur, son âme par la parole de vie, par la parole de vérité, par la parole de la révélation. Béni soit ton nom, consolateur de cœur. Béni soit ton nom, celui qui guérit de toute maladie. Béni soit ton nom, dont la parole, alléluia, est vivante et qui fait des grandes choses dans nos vies. Alléluia, que ces jours soient bénis. Alléluia, que le reste de temps soit béni. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans tout le domaine, dans tout le domaine, dans tout le domaine, dans tout le domaine. Que ta parole, que ta puissance, que ton Esprit Saint se manifeste en notre faveur. Louange à toi, honneur à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui étaient connectés. Partagez ces vidéos, alléluia, ça aidera quelqu'un, ça bénira quelqu'un dans sa vie, alléluia. Enregistrez-vous sur notre site, sur notre chaîne sur YouTube, Pogoche TV, tu cliques Pogoche, donc c'est P-O P de papa, O de Odette, G de Georges, O de Odette encore, C de Claude, H d'Henri, tu fais espace TV sur YouTube, tu verras notre chaîne. C'est alors que tu pourras t'abonner et ça te fera toujours du bien parce que là tu recevras toujours des enseignements. Le temps des prières, tu seras toujours connecté. N'oubliez pas, nous prions à 5h45. Donc dans le jour prochain, ça sera à 6h juste, et à 12h nous avons l'enseignement de la parole de Dieu, et à 21h nous avons la prière qui crée, qui transforme, qui bénit et qui change des situations. Alléluia, la prière qui change de loi. Notre Dieu est grand, il est tout puissant. Soyez richement bénis et passez de bons moments sous la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen.